Mesdames et messieurs, il y a environ 18 mois que nous avons réuni nos forces pour soutenir le candidat à la présidence de la République de Madagascar, portant, comme il a été dit tout à l'heure, le numéro 3. J'ai nommé M. Eri Randokatsonarantiane. Une petite nostalgie. Je nous vois encore comme si c'était hier. Ce monde, surpris, s'interrogeant sur ce candidat, comparant les photographies sur les affiches avec celui qui venait rendre visite faire campagne. Nous étions en stade. Il y avait une dame d'un certain âge qui disait « Dali, Jiu, mais tu veux qu'on charge chez vous ?» On était en stade. Effectivement, c'était lui, l'ancien ministre des Finances. On ne savait même pas trop prononcer son nom. Comment prononce-t-on son nom? Devenu des fois Razzomancani. C'était notre candidat, notre force. Et les uns disaient gentiment Hernan, des termes affectifs qui ont touché celui devenu notre président de la République. Un homme qui a su convaincre avec des mots simples, qui n'a pas hésité à esquisser des pas de danse, manifestant ainsi sa joie de vivre, d'être avec les siens, les Malgaches, marquant notre identité, notre culture, ensemble dépassant nos différences, comme l'artiste Jerry Marcos nous entraînait dans son ambiance. Vous avez été convaincu, il a été élu. Dieu merci. HVM. Quelles sont les valeurs qu'il aligne? La colonne vertébrale de notre ligne de conduite idéologique peut être résumée par ces deux adjectifs, libéral et social. Social-libéralisme, tout est appréhendé dans son acception économique et son fondement politique. Le libéralisme économique mis sur la libre entreprise et la saine concurrence des acteurs économiques. Nous mettons ainsi l'action sur la nette séparation des domaines du secteur privé et de l'État. Le secteur privé doit être le moteur de l'économie, tandis que l'État joue un rôle fédérateur, exerçant le pouvoir en garantissant à tous la liberté d'entreprendre et une libre concurrence. Les conditions du renouveau et d'un progrès partagé par tous exigent une confiance en l'État qui passe par la restauration de son autorité et qui s'appuie sur un socle fondamental constitué des trois piliers du programme président: la sécurité, la justice et la lutte contre la corruption. C'est ainsi un libéralisme qui a pour fondation l'état de droit et la bonne gouvernance. Le développement économique doit aussi tenir compte de la nécessité impérieuse de protéger l'environnement. Nous devons prioriser l'économie verte au regard des richesses naturelles dont dispose notre pays. Les défis du développement durable sont complexes, car ils mettent en jeu les actes des facteurs sociaux et culturels. Dans ce domaine, des profonds changements de mentalité sont nécessaires. Quelle importance l'HVM apporte-t-il à la politique sociale? Nous avons placé l'homme au centre de toutes les actions publiques et toutes les démarches politiques. L'homme est perçu comme une finalité, mais également, bien sûr, comme un acteur de la vie sociale. Tous les composants de la société, et particulièrement les femmes et les jeunes, ainsi que les acteurs non étatiques,
doivent être impliqués dans ce vaste chantier qu'est le développement de Madagascar. Dans cet environnement, la réconciliation nationale trouve naturellement sa place. Il faut une paix et une stabilité sociale pour pouvoir mettre en place le vrai développement. Notre pays a subi des blessures profondes, fortes, qu'il nous faut guérir. Notre parti, à l'instar de tous les patriotes, a un rôle pédagogique important à soutenir. Nous soutenons totalement le chef de l'État qui est, selon la Constitution, le garant de l'unité nationale. Il a solennellement déclaré sa volonté de conduire la réconciliation nationale. En être le chef d'orchestre, dans son rôle. Certes, des personnalités, entités sont légitimes à divers niveaux pour apporter leur concours dans la conduite de la réconciliation nationale, tels que les FFM, les chefs religieux ou encore les chefs militaires, toute autorité morale ou culturelle. Mais nous affirmons qu'il appartient au président de la République d'en être la tête, qu'un président de la République en exercice invite les anciens chefs d'État à discuter de la réconciliation nationale. Et ça a été fait ce jour. Rien n'était fait au hasard. Montrant sa volonté de ne pas s'apesantir sur le passé, en invitant tout le monde à regarder vers l'avenir et participer à la reconstruction de notre cher pays. Bien que le combat protagoniste des différentes blessures du passé, le président de la République en exercice donne à tout le monde la chance d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Le parti HPM invite tous les responsables politiques à saisir cette opportunité. La protection des droits des victimes est inscrite dans la réussite de la réconciliation nationale. Le succès est l'affaire de tous. Il contribuera largement au rétablissement de l'état de droit qui mettra un terme définitif au cycle de Madagascar, après 50 ans d'indépendance, figure parmi les pays les moins avancés de la planète. Et ce, malgré les richesses naturelles dont tout le monde s'accorde que notre pays en regorge. Les crises cycliques, mais aussi les mauvais choix, dans les stratégies politiques de développement, ont entraîné ce désastre. C'est pourquoi nous n'avons plus le droit de nous tromper. Et les projets que nous mettrons en place doivent être structurants, correspondre aux besoins réels de la population. Quel projet de société le HPM propose-t-il? Il ne fait aucun doute que le peuple malgache aspire avant tout à la paix, à la sérénité, pour pouvoir se consacrer à la construction d'un avenir meilleur. Ces crises qui doivent dorénavant cesser s'expliquent essentiellement par des frustrations des populations liées à une mauvaise gouvernance et à un mauvais partage de la richesse nationale. La paupérisation de la population devient alors le terreau de toutes sortes de violences et de sentiments extrêmes. La paix sociale acquise, il faut la solidifier, la pérenniser pour construire une économie dynamique fondée sur une croissance inclusive. L'État va créer les conditions propices à l'épanouissement des initiatives privées pour libérer le génie créateur de l'individu, des entrepreneurs, des femmes et des jeunes. Il doit mettre à profit tous les atouts
du potentiel économique de Madagascar devant les obstacles qui entravent les activités du secteur privé et les investissements privés nationaux comme étrangers, il doit avoir une approche volontariste. Les soubresauts politiques auxquels nous avons assisté depuis le début de cette année nous enseignent que le président de la République doit pouvoir s'appuyer sur nous, sa base politique, pour diriger sereinement le pays. Nous ne demandons point que le président tout seul, toujours animé de l'esprit d'ouverture que nous partageons avec le président de la République. Nous soutenons son appel aux forces vives de la nation qui ont partagé les mêmes valeurs et la même vision, se donner la main pour atteindre les objectifs que le président s'était fixé. Notre parti s'est structuré et organisé de manière à promouvoir des alliances stratégiques nécessaires et à stimuler le profond débat sur toutes les questions relatives au développement du pays, au bien-être de notre manière.